Avec l'énorme succès de son livre, L'histoire populaire des États-Unis, Howard Zinn a radicalement changé le regard des Américains sur eux-mêmes. Son ami, Noam Chomsky, dit que Zinn a littéralement transformé la conscience d'une génération. Zinn parle de ceux qui ne parlent pas dans l'histoire officielle. Les esclaves, les Indiens, les déserteurs, les ouvrières du textile, les syndicalistes. Il montre le rôle crucial des inconnus qui, dans la vie quotidienne, font progresser la paix et la justice. Dans sa jeunesse, pour lutter contre le fascisme, Howard Zinn s'est engagé dans l'armée de l'air. La raison pour laquelle vous vous engagez dans l'US Air Force, c'est... Pour la patrie, pour antifascisme. À la fin de la guerre, en bombardant la ville de Royan dans les Charentes, il découvre qu'il est en train de larguer des bombes au napalm, les premières bombes au napalm pour un bombardement inutile. C'est le point de départ de son engagement comme historien et comme militant progressiste radical. We shall overcome. Deep in my heart, I do believe we shall overcome. Howard Zinn disait, on ne peut pas être neutre quand le train est en marche. À plusieurs reprises à Paris et à Boston, nous avons eu la chance de rencontrer et de filmer Howard Zinn, toujours stimulant et lucide, savant et populaire à la fois, cherchant toujours à mettre en lumière au cours de l'histoire ces moments où, contre toute attente, les gens se battent ensemble pour leur émancipation et finissent quelquefois par l'emporter. À la fin, Howard Zinn disait « Je veux qu'on se souvienne de moi comme quelqu'un qui a donné aux gens des sentiments d'espoir et de pouvoir qu'ils n'avaient pas avant. » Voilà exactement ce qui nous a donné envie de réaliser ce film.